on va aller demander à des inconnus leur ressenti et leur opinion sur les discriminations de la communauté LGBT. Que penses-tu des actions de la communauté LGBT pour lutter contre les discriminations ? Je trouve ça vraiment top qu'il y ait des personnes qui se mobilisent pour ça. C'est super important parce que c'est pas encore accepté totalement par tout le monde et il faut que ça le soit. Quoi. C'est compliqué, hein. Je pense que la question elle est complexe. Après, on vit dans une société où on a peur de ce qu'on connaît pas. On s'acharne contre tout ce qui est minorité, qu'elle soit LGBT ou autre. Il faut essayer de faire changer les mentalités, mais c'est pas facile. Je pense qu'ils ont raison de les faire et qu'ils pourraient faire même encore plus. Pensez-vous que les discriminations ont évolué ou diminué cette année, notamment à cause du confinement ? J'en ai absolument aucune idée parce que je sais pas comment ça se quantifie. Je pense que ça a évolué. Maintenant, on n'est pas encore à notre maximum. Il faut que ça évolue encore plus dans le bon sens, mais je pense qu'on a déjà fait un bon pas. Est-ce que tu as déjà vécu ou vu une situation de discrimination ? Je suis en couple avec une fille et c'est vrai que des fois, on nous regarde un peu mal dans la rue ou alors il y a des personnes qui nous posent des questions un peu gênantes par rapport à tout ça. Pas directement en face de moi, mais on me l'a rapporté. Des amis, malheureusement. Et si ça serait passé en face de vous, vous auriez fait quoi ? Je pense que j'aurais réagi. Enfin, c'est pas je pense, j'aurais réagi. Je resterais neutre, hein. J'ai pas envie de recevoir. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de discrimination sur cette communauté ? Parce qu'on fait pas partie de la norme. Les gens, ça les dérange qu'on soit pas comme tout le monde, entre guillemets. J'espère que ça va changer et je pense que ça va changer petit à petit, quoi. Serait quel est le but de votre association ? Contre l'homophobie, contre les discriminations envers les homosexuels. Et alors, juridiquement, on les accompagne devant les tribunaux quand il y a violence, quand ils subissent des violences. On travaille beaucoup juridiquement, c'est notre but principal. Vous avez dit que vous les accompagniez juridiquement. Ce fait, est-ce que vous avez trouvé une augmentation des violences envers les personnes homosexuelles ? Ah oui, depuis un peu plus de 2 ans, le confinement un petit peu moins parce que les gens sont quand même moins dehors. On va dire que depuis un peu plus de 2 ans, il y a quand même certaines violences récurrentes envers les homosexuels, tous les LGBT. À votre avis, quelle serait la cause de cette augmentation ? Il y a de moins en moins de tolérance. À partir du moment où vous êtes différent, forcément, c'est dérangeant. Et puis, dans les rues, il y a beaucoup de violences.